The preamble to the Alberta Human Rights Act includes the statement that multiculturalism describes the racial and cultural diversity that is Alberta. It says that it is a matter of public policy that all Albertans should understand and embrace diversity and should embrace the fact that our racial and cultural diversity is at the core, is what is makes us strong as Alberta. Je suis Salamani Amero, je suis originaire de Burkina Faso, canadien. Mon adresse aux jeunes, c'est de dire, un jeune à la fin de la guerre aux États-Unis, la guerre civile aux États-Unis, allait demander à Frédéric Douglas, qu'est-ce qu'on fait maintenant après la guerre? Frédéric Douglas lui a dit, battez campagne, battez campagne. Chers jeunes gens, chacun de nous ici, sortez et battez campagne. Parce que l'opportunité ne va pas généralement venir à nous. C'est à nous, si l'opportunité tarde, de la créer, d'aller vers l'opportunité. Parfois j'entends des gens dire, oui le Canada c'est un pays raciste, mais j'ai fait des checks. Le Canada n'est pas le pays le plus raciste. Oui, le racisme existe. Mais jeunes noirs, qu'on dit fiers, enraciné et qu'on dit sans limite. Le thème c'est sans limite. Donc sortez. Sortez et ne vous donnez pas de limite. Tapez aux portes. Si on vous refuse la première porte, tapez la deuxième porte. Si on vous refuse la deuxième porte, tapez la troisième porte. Quelqu'un un jour vous ouvrira la porte. C'est ainsi que j'ai commencé. Et je continue d'étendre mon réseau. Si vous pensez que c'est si facile, non, ce n'est pas si facile. Est-ce qu'il y aura des moments de découragement? Bien sûr, mais la vie est faite de découragement, chers amis, et d'opportunités. L'histoire de l'humanité, c'est deux choses, difficulté, opportunité. J'aimerais terminer par dire, jeunes gens, battez campagne. La campagne de l'espoir, la campagne de vivre ensemble, la campagne de la valeur de nos différences, la campagne de la force de vivre ensemble. La puissance, la campagne de la puissance du respect et de l'acceptation des autres. Enfin, la campagne de l'amour. I'm recalling a few things here. He spoke about hate crimes in Canada and how there's a difference in variation of the definition across different police services in Canada. So some police services might recognize some crimes as being hate crimes, and others might not, depending on the definitions that they're using, which makes them sometimes a challenge to be identified as hate crimes. As obstacles, ignorance, we think that we're all different, but he pointed the fact that we all probably at some point during the day-to-day all use the washroom, so we're not all that different, because we're all humans. He addressed a word to the youth, and we say that youth goes up to 77 years old, so most of us in this room are youth. Frederick Douglass said, somebody asked him, what do we do now that the war is over, after the war, what do we do? He said, go and continue fighting on. Go and grab the opportunities, because they will not be handed or being offered to us, but we have to go after them. Young people, the 2019 Black History Month campaign is saying, be boundless, sans limite, be rooted, enraciné, and be proud, fier. So let's take that message to heart and use it. To all the young people here and whoever that we may encounter, let's share that message. And remembering that life is made of difficulties and opportunities. So that means we have two choices. Either we look at the challenges or we grab the opportunities and go after them. So the campaign is a campaign of love, respect, acceptance, and hope. So there is hope. Merci beaucoup. Je m'appelle Victorine Abbé, je suis coordinatrice des relations avec le public au centre collégial.
du campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. La présentation, c'est Femmes francophones d'Afrique, expérience et défis. My presentation is about youth. Because our organization focuses on francophone youth immigrants. That is why we create this organization to focus on crime prevention and also to fight against discrimination in the community. That is why we are there today. So, as you will see in my presentation, I'm talking about this campaign. Je parle concernant la campagne dans le cadre de moi de l'histoire des Noirs. Comme vous voyez sur l'écran, aujourd'hui on parle de la diversité. Donc le Premier ministre Justin Trudeau a même dit « La diversité fait notre force. Nous devons faire plus pour que l'égalité soit une réalité pour les jeunes Canadiens et tous ceux qui sont ici chez eux. » This country belongs to us. So as we talk this morning, so we do have in the Canada the Francophone, the black people who also work for this country. So, je suis fier de partager avec vous cette expérience aujourd'hui, parce que c'est vrai, le racisme existe. And also, we as African people also come. Victorine l'a dit ici, nous devons aussi faire la part des choses. Nous devons aussi montrer que nous sommes des citoyens, des bons citoyens dans ce pays pour bâtir ensemble ce beau pays du Canada. I encourage you, youth, African black youth, to do your best, to be the best in this country. Yes, there is discrimination, there is racism. Even if you are in the system, yes, I do have a job, and you have to have, so you will also get some problem about the racism. So know how to deal about it. So the community is there, as we talked this morning, we have to work together. Talk about this. Be visible, as we talked this morning. Dans ce pays, nous devons connaître qu'il y a quand même la charte. Au Canada, il y a ce qu'on appelle la charte des droits et libertés. C'est très important, mais j'ai essayé, dans cette charte-là, il y a 7 articles que nous devons vraiment apprendre. Donc, il y a la charte canadienne, comme on l'a dit, des droits et libertés, comprend 7 articles qui définissent nos droits. Liberté fondamentale, ça vous devez adhérer dans n'importe quelle association que vous voulez. Vous voulez faire le travail partout, vous voulez ça, c'est les libertés fondamentales. Le droit démocratique, liberté de circulation. Dans les libertés de circulation, je me rappelle, I remember when I came for the first time in Alberta, I went to the welfare to get some money. The officer told me, why you do not speak English? Why you leave Quebec when you have to talk in English and you come here for the money? That was... It's like he was telling me, I do not have the right to come to live at Montreal, to come in Alberta, as I was in Canada. So, this one, the liberté de circulation, là, que vous soyez citoyen canadien immigrant, que vous soyez immigrant, que vous soyez réfugié, que vous soyez, whatever, when you are in Canada, you have to go where you want, et personne ne doit vous empêcher. C'est ça la liberté qui est dans la charte. Donc personne ne doit vous dire que non, restez là où vous êtes là, vous ne pouvez pas aller. Non. Même today là, si vous voulez aller dans les territoires là, allez-y. Ça fait partie dans les libertés de la charte. And I saw you taking English by Grandia. Yeah. Il y a aussi des garanties juridiques. Nous avons nos droits ici et tout, alors ça vous garantit aussi vos droits. Les droits à l'égalité, this is very important. Yeah. On peut être tous égaux. Donc, dès qu'on est dans ces pays, la charte dit que tout citoyen est égal à la loi. Donc ça, c'est l'égalité. Les langues officielles du Canada, au Canada, nous avons
deux langues, le français et l'anglais. Ça aussi, c'est dans la charte canadienne. Mais nous remercions la province de l'Alberta parce qu'ils sont en train de mettre en place un programme et un service pour les francophones. Et enfin, droit à l'instruction dans la langue de la minorité. Et voilà, aujourd'hui, en Alberta, ici, malgré que ce soit une province anglophone, nous avons nos écoles qui enseignent en français. Et là où nous, on est ici, on a même une campus qui enseigne en français. C'est dans la charte. Alors, c'est ça l'avantage vraiment de ce que nous avons. Alors, pour l'Alberta, quelles sont les mesures que le gouvernement de l'Alberta a pris pour combattre le racisme? Mais comme je l'ai mentionné ce matin, et le ministre même l'a dit, ils ont mis en place un rapport, les rapports que vous avez là. In the report you have today about taking action against racism, there are many, many actions in this action plan. So we have to work together to see what others' recommendations we have to send to the minister. Only, not only the Minister of Education, to all the ministers, we have to work with them. And also with our partners from the police force. So, ça, je vais vous lire la citation de notre Premier ministre, Rachel Notre. Il dit, lorsque le racisme mine l'éducation, la santé, l'emploi et la stabilité sociale, nous en souffrons. Nous en souffrons tous. Alors, nous réussissons lorsque les Albertains de toutes les cultures participent pleinement à la vie publique. Cela n'est possible qu'au sein d'une société inclusive où tout le monde est traité avec dignité et respect. C'est ça, le Canada. Et c'est ça, notre Premier ministre qui le dit, nous sommes dans une société où nous devons être traités avec toute dignité et respect. Dans ces pays où nous sommes là, nous méritons le respect. Très important. Et pour cela même, pour cet après-midi, vous les jeunes, je vous invite vraiment de vous impliquer davantage parce que vous êtes dans une société où vous avez l'avantage d'accéder à certaines opportunités, de participer et surtout d'être impliqué à l'élaboration des politiques de notre province. Ce que vous allez amener comme recommendation, as youth, you have to play a good role in this province and your recommendation has to be sent to our minister and in different ministers to see how we have to work on different issues.